Bonjour, c'est la grenouille au micro, celle qui farfouille devant les châteaux. Je parle de la pluie et du beau temps, en direct depuis la cour des grands. Dans tout leur domaine, ils sont les rois et les reines. Flatteur et pluie d'éloge, je suis toujours aux premières loges pour commenter dans l'allégresse les derniers potins de ses altesses. Je ne suis pas censé tout raconter sur nos chères têtes couronnées. Aussi, je compte sur votre discrétion pour ne pas le répéter à la maison. Pour la bagarre, il est vraiment fort, mais il devrait faire un effort dans ses rapports avec les dames. Le roi Boum Boum, gentleman. Bienvenue chez nos amis les rois et les reines. Le roi Boum Boum est enchanté. Il est invité à goûter chez la reine Bisou Bisou, dont il est secrètement amoureux. Il paraît que les reines aiment les fleurs. Tiens, tiens, mais nous avons de la visite. J'ai hâte de savoir ce qu'on a attrapé aujourd'hui. Maudit loup, vous allez regretter de vous être attaqué à moi! C'est alors qu'ils se sont approchés de moi, ensuite j'ai assommé leur maudit chef et j'ai arraché une corde du piège! Mais arrêtez, Boum Boum! Et j'en ai attrapé un comme ça! Et je l'ai lancé sur le deuxième! Puis j'ai soulevé un tronc d'arbre et ensuite... Voilà comment ça se passe avec moi. Regardez ce que vous avez fait. Vous et vos bagarres, partez. Je ne veux plus vous voir. Mais... Être bête à ce point-là, ce n'est pas possible. Je mérite une punition exemplaire. Jetez-moi au cachot. C'est un ordre. Non, non, du pain sec et de l'eau. Bonne cachette, mais je trouve toutes les cachettes. Qu'est-ce que vous faites là? Je pense qu'il y a un moyen de vous faire pardonner, mais sachez à l'avenir que les reines préfèrent le savoir-vivre à la brutalité. Le savoir-vivre? Vous croyez que je pourrais? Mais bien sûr, pourquoi? Vous êtes un battant, oui ou non? Oui, je suis un battant. Très bien. Alors, sortons déjà d'ici. Et alors, où est donc passé votre courage? Allez. Allez-y, vous. D'accord. Reine Bisou Bisou, je suis chez le roi Boum Boum. Il regrette ce qu'il a fait, il souhaiterait tellement vous revoir. Parfait. Elle accepte un pique-nique. Elle dit que c'est plus prudent pour son mobilier. Youpi! Oui, mais n'oubliez pas le savoir-vivre, quoi qu'il puisse arriver. Vous avez ma parole. Voilà votre salade de fruits et votre brioche. Une petite serviette, peut-être. Oui, je vous remercie. Quelle courtoisie! Quelle belle journée! Oui, mais il fait un peu frais. Si vous vous serriez un peu contre moi... Vous avez froid? Mais je vais vous faire du feu! Il faut que je tienne bon. Du savoir-vivre, toujours du savoir-vivre. Quelle horreur! Les loups brigands vont attaquer la reine Bisou Bisou. Heureusement, à son retour, le roi Boum Boum aura tôt fait de les corriger. Au secours! Au secours! C'est Boum Boum! On va encore se faire massacrer! Vous importunez la reine! Mais où avez-vous été élevée? Ignorez-vous que le savoir-vivre vaut mieux que la brutalité? Il n'est pas dans son état normal! Prenons le panier! Mais pourquoi vous ne les avez pas corrigés? En fait, on ne peut pas compter sur vous! Oh, je suis déçue! Déçue, mais déçue! Décidément, je ne comprendrai jamais rien aux reines. Ce pauvre roi Boum Boum ne sait vraiment pas s'y prendre. Entre nous, il ne pense qu'à chercher des crosses. Dans la vie, il n'y a pas que les bosses. Mais le plus frappant avec lui, c'est sa façon de dire... Qu'est-ce que t'as dit?
Longue vie aux rois et aux reines. Ils ont comme nous des joies, des peines. Mais ils ont de si beaux châteaux et aussi de gros défauts. Chantons, chantons qu'ils soient toujours comme ils sont. Mais entre nous, tous les potins, les écomondes, c'est ma tasse de.